Hier, j'étais avec Clochette dans le jardin et Clochette regardait le jardin comme ça avec un air un peu. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Rien, je trouve quand même que c'est dommage qu'avec un aussi beau jardin, on n'ait pas plus d'animaux. Je dis pas plus d'animaux, c'est-à-dire. Ben, on pourrait avoir un poulailler avec des poules, tous des clapiers avec des petits lapins, parce qu'alors, moi, comme ça, je pourrais leur donner des petits noms. Il y en a un que j'appellerais Pampan et je pourrais prendre contre moi avec sa petite patte et il me fera comme ça. Oh, ce serait vraiment trop bien. Je dis, écoute, chérie, c'est formidable d'avoir plein d'animaux, mais maman n'a pas pour vocation d'avoir une ménagerie. Oh, ce serait génial, hein, mes frères sont grands, maintenant, il y a plus part du temps. Il n'y a plus que toi et moi. Ben justement, on commence un peu à souffler. Là, je dis, je vais pas me rajouter une tâche. Je dis, tu sais pas ce que c'est, toi, d'avoir un poulailler. Je dis, il faut aller l'entretenir, il faut aller le brosser, il faut le barricader, pas que les renards ou les fouines viennent manger les poules. Je dis, les lapins. Oh oui, ils pourraient courir partout dans la maison. Je dis, ils vont pas courir partout dans la maison. Ça fait des crottes avec le chat, déjà le chat. Mais allez, ce serait trop bien. Ça aurait plein d'avantages. Mais je dis, quels avantages? Je dis, écoute, le seul avantage que je vois, c'est que pourrions manger du poulet et du lapin. On va pas manger les lapins. Si, on fera comme mon grand-père faisait quand j'étais petite, on ira en chercher un quand on a envie. On l'assommera sur un caillou, on le suspendra par ses deux pattes, maman le videra, j'arracherai sa peau en faisant comme si je retirais un pyjama. Il va quand même pas manger Pampan. Mais je dis, bah manger Pampan, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On va pas les garder pour le plaisir de les garder. Je dis, tu sais quoi, à un moment donné, la petite patte de Pampan, eh ben ça peut faire un très joli porte-clé accroché à ta mallette, et en plus ça porte chance. Et moi, eh ben je ferai du lapin à la moutarde. Voilà, c'est très bon ça, le lapin à la moutarde. Non, ça va, d'accord. Non, enfin, non. Je dis, bah voilà. Bah oui, mais bon, on va pas faire un cirque non plus.